يسعدني هذا اليوم أن ألتقي بقيادتكم قيادة الرئيس وأصل إلى هذه الدولة العريقة والصديقة كذلك. Alors le premier du golf que j'ai reçu c'est Sheikh Zayed. Et nous avons noué une relation qui s'est établie, qui s'est densifiée et qui a duré jusqu'à mon départ. مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة هو أيضا مؤسس العلاقات المتميزة بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة. Rien ne serait possible sans la qualité de vos relations avec vos camarades émiriens. Vous entretenez avec eux une coopération opérationnelle de très haut niveau, dans tous les milieux. Et je souhaite que ce partenariat remarquable se poursuive, se développe, dans l'esprit de confiance et de dialogue qui l'anime depuis ses débuts. Our relationship between France and the UAE is a strategic one. It's the relationship everyone looks at in the region. C'est un grand honneur de recevoir aujourd'hui à Dubaï le président de la République française. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, d'être parmi nous pour la réalisation d'une étape primordiale de la participation de la France à l'exposition universelle à Dubaï. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'apparaît l'évidence. L'évidence de la France et des Émirats Arabes Unis. L'évidence de deux pays qui sont au fond deux carrefours. L'un en Europe, l'autre en Asie. Deux pays qui, dans l'histoire, ont toujours été des ponts entre l'Orient et l'Occident. Deux pays qui, aujourd'hui, avec ce musée, continuent d'être des passeurs de culture, d'échanges, de rencontres, de richesses. La France sait qu'elle doit tenir son rang dans ce dialogue des cultures, dans ce rayonnement de l'art et du patrimoine. Nous inaugurons là un lien tout particulier entre nos deux pays. Ce Louvre du désert et de la lumière que vous avez voulu et que nous avons fait ensemble, c'est cette volonté de porter ici ce message d'universel. Vous êtes dans une région d'une formidable richesse, qui a tout pour réussir, qui porte toutes les cultures, qui a en son sein toutes les religions, qui a l'histoire de l'humanité.